Bonjour, bonsoir, bienvenue dans un etc. Cette semaine, je vais être très rapide sur le sommaire parce que nos invités sont bavards. Nous rencontrerons pourtant deux loups solitaires de la scène musicale stéphanoise, tellement solitaires, c'est comme ça, oui, qu'ils feront plateau commun sur la scène du Fil. Il s'agit de Tibert et Barton, ils sont là, nos loups de mer sur le large des mots, deux Stéphanois qui manient la langue avec brio et vous allez faire une soirée ensemble un vendredi 13, sans superstition. Un jour de match en plus. Ça, c'était une annexe. Nous irons à la rencontre des voix partout dans le département avec l'été musical qui commence et qui a déjà un tout petit peu commencé. Mais la première de la programmation, ça sera samedi. Voilà, après une balade de la maison qui tient chaud, on y reviendra. Nous retrouverons également le théâtre cette semaine avec une question têtue, déstabilisante, embarrassante. À quoi ça sert le théâtre? C'est comme ça que vous la posez, hein? C'est votre manière de mettre les pieds dans le plat. Ouais, c'est le titre de ces rencontres. Colloque, vous invitez le public. Voilà. Cette émission ne pourra commencer sans que l'on revienne sur les rendez-vous des artistes dans la rue à Saint-Chamond dès vendredi en fin de journée, samedi et dimanche. Donc il y aura de la concurrence pour tout le monde sur un air de... C'est quand le bonheur, vous pourrez voir Bubble Beats, Saint-Sémilia, la maison qui tient chaud, voilà, qui est également présente pour l'été musical, et autres caravanes qui passent, petites épiceries, les Stéphanois de Gagadilo. Ça, c'est pour la chanson, et il y a autant de scènes, de spectacles de rue, de théâtre, d'expo, de poisson-pierre, etc. Voilà, tout est gratuit, c'est à Saint-Chamond, et c'est ce week-end, avec peut-être un peu de beau temps. Ouais, on est un peu épatés par les événements qui se déroulent dans notre région. On les recevait la semaine dernière, mais voilà, ça nécessitait qu'on rappelle ce rendez-vous pour vous. Et puis nous reviendrons avec nos invités sur l'événement Police en quelques mots. Voilà, c'est une émission réalisée. Je crois que j'ai plus de micro avec les soins attentifs de Nicolas Plon à la réalisation. Un son millimétré par Gérald. Les cadres qui encadrent sont de Samien, Romain. Non, je dis absolument pas du tout les bons noms. Je vous le dirai à la fin de l'émission. Mon assistante, c'est Élise en ce moment. Et les pinceaux, c'est Florence qui les manie avec brio. Bienvenue à tous, c'est parti. Voilà, cette émission commence. Pour les micros, ben voilà, ils sont là. Je vous dirai qui nous encadre pendant cette émission. Je voulais commencer par l'événement Police. Ça avait lieu hier à Saint-Étienne, au stade Geoffroy Guichard. Voilà, ils sont arrivés. Ils étaient là, ils sont venus. Est-ce que vous étiez, vous, dans le public? Waouh. Première réaction, un peu de public, mais pas tant que ça. Hein. Attention, il y avait 30 000 personnes qui étaient... Oui, c'est assez peu. C'est assez peu. Mais malgré tout, il y avait un petit peu moins de personnes que cela, puisque beaucoup de gens sont rentrés dans le stade Geoffroy Guichard et ont pris des places et ont été invités gracieusement à rentrer à partir du troisième ou quatrième morceau pour faire un petit peu masse et un petit peu foule autour de Police. Voilà, ça vous épate ça, hein, comme... Si j'aurais su, j'aurais venu. Alors oui, parce que vous n'étiez pas loin, Tibert. Ouais, ouais. Racontez-nous votre soirée. Moi, j'étais rue Bergson et j'entendais distinctement les titres. Ouais. Voilà. Mais il m'a semblé que ça durait peu de temps. Alors, ça durait peu de temps parce que c'est un concert qui a duré 1h45, ce qui est le format de Marseille, un format un petit peu plus long à Paris, mais un format insuffisant pour les Stéphanois. Voilà, et ce sont donc quelques-unes des images. Malgré tout, quelques mots sur ces trois artistes. Bah, ils ont inventé une musique. Hein. Donc, moi, j'ai trouvé que les deux premiers albums étaient extraordinaires. C'était que des tubes. Regatta de Blanc, c'est un album génial. Après, les histoires de Didodo et Dadada, moi, j'ai un peu décroché. Mais les deux premiers albums sont extraordinaires. Le jeu de Copland et de Summer, c'est aussi génial. C'est magnifique. Ah ouais, magnifique. Ouais, et puis la présence de Sting qui est vraiment allé chercher le public. Alors il y a un seul fan, hein, je précise, c'est Tibert, on peut le dénoncer, il fait partie des 30 000, on va l'inscrire. Mais les autres, non, personne d'autre n'est... Ah, ouais. Je pense que ouais, tout le monde est fan, tout le monde connaît le répertoire. Bon, alors après, il s'agit d'une tournée gigantesque. Alors, oui, mais enfin, trois dates en France, et voilà, ouais, une exception française à Saint-Étienne, ce qui est assez rare, même si effectivement, pour le public, ça a duré peut-être insuffisamment longtemps. On les écoute ? Rescue me!
J'ai l'air d'avoir du plaisir à jouer. C'est... Oui, vrai plaisir à jouer, donc, vrai plaisir cool. De se retrouver après 20 ans de séparation. Et un concert, malgré tout, formidable, malgré les petites remarques qu'on a faites, et puis les images un peu zigzagantes que nous ont fournies la production, puisque voilà, la production de Police à Saint-Etienne. Ça, c'est les images qu'on a tournées hier. Mais à Taratata, il paraît qu'il arrivait, il y avait d'abord l'avocat qui arrivait, après il y avait Sting, il vérifiait tout le contrat, enfin c'est des, voilà. Mais ouais, c'est vrai... des histoires d'argent, hein. Beaucoup c'est des grands groupes, c'est sûr que... Bon, alors maintenant, les deux loups solitaires, je vous ai présenté de cette manière-là, c'est pas très gentil, ou en tous les cas, si, c'est gentil pour moi, parce que... Ça aurait pu être pire, hein. T'aurais pu choisir des animaux, hein. Ouais, les loups c'est bien. Non, les loups c'est bien. Ouais, ouais. Les loups c'est bien. Moi je vous sens comme ça, un peu. T'aurais pu dire les blaireaux, tu aurais été par exemple moi. Oui, mais de Ravel, ça aurait pu, éventuellement. Non. Je sens que je vais quitter ce plateau. Ah. Bon, alors, en tous les cas, moi, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez sur la même scène, le même jour, à la même heure. Pas à la même heure exactement. Pas ensemble, pas pour, mais chacun pour... Et en fait, c'est une idée de Thierry Pilat, hein, le programmateur du fil. Nouvelle salle à Saint-Etienne. C'est une bonne idée. Très bonne idée. Qu'est-ce que vous avez l'impression de partager l'un et l'autre? Moi, en fait, tu commences. Ma femme, non, jamais. Jamais. Non, mais moi, la seule fois où on s'est rencontrés, c'était...